c'est un aventurier sacrément intrépide. Ah, on fait une vidéo ridicule. Ouais, t'as raison. Alors, je sais pas si ce sera une vidéo autonome, parce qu'on n'a rien filmé depuis le début. De toute façon, ça aurait été super chiant. On peut vous faire un résumé en 2 secondes. Ça marche pas. Ouais, c'est à la caméra que je parle. C'est pas toi, je m'en fous de toi. Ah, toi aussi, je m'en fous. Oh, il est super ton déguisement de chantier. Tu t'es déguisé en chantier ? En chantier, madame. Du coup, ouais, on essaye de faire fonctionner les feux de recul parce qu'il ne marche plus, je sais pas pourquoi. Enfin, on commence à arriver à savoir pourquoi, vu qu'on a tout essayé. On a nettoyé les ampoules, on a nettoyé tout. Je vais vous montrer un petit peu. Là, c'est assez simple. Là, tu as deux broches qui arrivent. Enfin, tu as une broche qui arrive, une broche qui repart sur l'eau de feu ici. Tac, tu as 3 ampoules, 4 ampoules parce que là, tu as l'anti-brouillard arrière. Et celle du milieu, elle s'allume pas. Celle du feu de recul. Le reste, ça marche nickel, il n'y a pas de souci. Enfin, j'avais un petit souci, mais vu qu'on a tout nettoyé, ça remarche. Par contre, le feu de recul, ça marche pas. Alors, on a regardé, ça pouvait être le fusible. Mais le fusible, non. Et tout feu neuf, on l'a changé. Mais peut-être du coup le seul truc qui reste maintenant, c'est on a vérifié les câbles tout le long et je suis allé voir le capteur en dessous. Où est-ce que j'ai mis ma lampe? Je vais partir avec ma lampe avec vous. Hop, essayer de vous montrer. Je sais pas si vous verrez grand chose. Je vais me faufiler là-dessous. Tic, on a ouvert pour voir la boîte de vitesse. C'est un peu le bordel, c'est un peu dégueulasse vite fait. Hop, du coup il y a le capteur qui est là. Et du coup je vais aller voir sur l'autre camion si ça se démonte. Comment ça se démonte? J'ai la notice technique, j'ai regardé dans la notice technique, mais je vois pas grand chose. Là, les broches, elles ont l'air propres, hein. Je peux pas dire grand chose, et ça, je sais pas. J'ai peur que si je l'ouvre, ça vide la boîte de vitesse. Ah, on va voir comment ça se passe, on va voir. Je vais aller regarder sur l'autre camion comment ça se passe en mettant une boîte en dessous pour récupérer le liquide. Voilà, voilà, donc bah, voilà, on va essayer de voir. Là, j'ai ma boîte de vitesse bricolée. Faudrait que je te montre le levier de vitesse de l'autre aussi pour voir un peu. Parce que celui-là, il est un peu foncé, il est un peu fatigué. Il a un peu la gigote de partout. Je pense qu'il manque des cales, des trucs qui ont dû casser. Voilà, bon, bah, je vais couper et puis bah, on se retrouve, je sais pas où, je sais pas quand. On verra si jamais ça marche. Petite crémaillère de direction qui est toute neuve sur ce camion-là. Mais qui a un peu de jeu d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Ouais, faudrait voir tout ça. Ouais, oh, les vieux camions, on aime ça. Faudrait peut-être que je changeais ça et l'handbloc aussi à droite à gauche, à mon avis. Oh, encore que ça va, c'est propre. Non, non, c'est propre. Les amortos, par contre, faudrait les changer. Ils sont fatigués. Allez, on se retrouve plus tard. Ça a l'air fini. Je crois que j'ai le swag comme ça ou pas? Ouais. Je retourne sous mon camion parce que tu vois, c'est une vidéo de mec fatigué. T'as vu, j'ai des cernes. Les semaines sont longues. Je peux allumer la lumière, je peux allumer la lumière, je peux allumer la lumière, allumer la lumière. Hop. Hop, un film à la Spielberg. Un milieu sous le camion. Alors, ouais, c'est pas exactement le même levier de vitesse que l'autre. Ouais, c'est bizarre. Pas fait exactement pareil. Du coup, ça, j'ai pas réussi à le démonter finalement. J'ai peut-être un pote qui a la bonne clé et faudra qu'il me donne ça dans la semaine. J'espère que je pourrai trouver ça rapidement pour avancer sur cette question. Et bah, j'ai quand même trouvé où est-ce qu'on fait les vidanges. Du coup, c'est de l'autre côté sur ce gros bloc là. On verra rien sur la vidéo, c'est pas grave. Et là, le levier de vitesse, bah, je pense qu'une des prochaines vidéos, ça va peut-être être le changement de levier de vitesse. C'est pas exactement le même truc, mais je vais voir. Parce que celui-là, il gigote, c'est un peu chiant. Bon, bah, j'ai plus qu'à remonter les 2 petites vis pour le cache. Tiens, le petit cache qui va là, qui va bien. Hop. 2 petites vis, et puis on va pouvoir rentrer à la maison. Allez, bonne nuit. Bon, bah, bilan de la journée, les clignotants à gauche remarchent, tout ça, mais mon problème de truc arrière, c'est toujours le même problème, donc
mon problème de... Mon problème de feu de recul, bah, c'est le capteur dans la... à l'intérieur du moteur. Ouais, fais bien attention. Hein. Tu vas me réparer ça vite fait. Hein. Ouais. C'est bon, c'est réparé. Chut, c'est bon. On va pouvoir rentrer. Tu crois que ça va démarrer? Ouais, c'est bien réparé là. Heureusement que t'étais là. Hein. Ah ouais? C'est un aventurier, sacrément intrépide, rien ne peut l'arrêter. Il a même pas peur du vide, faut bien le surveiller, car il est très rapide, c'est mon super bébé. Ouais, c'est mon Ninja Kid. Ouais, c'est mon Ninja Kid, c'est mon super bébé. Ouais, c'est mon Ninja Kid. Japonais de Chine, mon ninja de Shaolin, c'est mon petit japonais de Chine, mon ninja de Shaolin, c'est mon petit japonais de Chine, mon ninja de Shaolin, c'est mon petit japonais de Chine, mon ninja de Shaolin, c'est mon petit japonais de Chine, mon ninja de Shaolin, c'est mon super bébé, ouais, c'est mon ninja qui. C'est mon super bébé, ouais, c'est mon Ninja Kid.